Je suis chef d'entreprise. Elle me fait des blagues, Christelle, qui s'affiche sur mon ordinateur. Voilà. Je suis donc chef d'entreprise maintenant depuis 10 ans d'un salon de coiffure. Et depuis 2017, je me suis positionnée chez Jeunesse. Alors, pourquoi je me suis positionnée chez Jeunesse? Eh bien, parce que je veux arriver à la retraite en pleine forme et avoir une sécurité financière. Je pense que tout le monde écoute des actualités en ce moment. Donc, je fais partie des gens qui ont été obligés de fermer leur commerce il y a maintenant 5 semaines. Et j'en ai encore pour 3 semaines minimum. Donc, dans mon exercice, dans ma profession, un salon de coiffure qui dit pas de recettes, dit pas de salaire. Mais on a quand même toutes les charges à côté. Mais le débat, ce n'est pas celui-là ce soir. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour débattre. Je suis venue pour vous expliquer un petit peu l'entreprise Jeunesse Globale. Donc, Jeunesse Globale a été créée le 9 septembre 2009 par Randy et Wendy. Alors, Randy est né dans la pauvreté et il a décidé que pour ses 30 ans, il serait millionnaire. Bon, il avait juste 2 ans de retard, mais 32 ans, il était millionnaire grâce à un logiciel qu'il a créé pour la NASA. Donc, quand il a installé le logiciel pour la NASA, il a fait la connaissance de Wendy. Donc, lui, il a gagné 2 fois en allant avec la NASA. 1, des sous avec son logiciel, et 2, sa rencontre avec Wendy. Donc, Wendy, au sein de la NASA, était déjà, elle aussi, conceptrice de back office. Donc, à eux deux, ils ont, la corporate médicale américaine a fait appel à eux pour faire leur back office. Donc, évidemment, la réussite était là pour eux deux, quoi. Et suite à ça, ils ont monté leur propre MLM. Et à un moment ou à un autre, c'est vrai que leur famille, tout le monde était bien, bien en place. Eux-mêmes avaient de l'argent. Donc, ils se sont dit, allez, on a mérité notre retraite, on s'arrête. Sauf que pour Wendy, la maladie est arrivée, rien de grave. Et ils ont fait la connaissance du docteur Newman, Nathan Newman, qui lui est dans la technologie des cellules souches. Donc, le problème de Wendy a été très rapidement soigné et le docteur Newman leur a fait découvrir un produit. Et Randy et Wendy ont dit, mais c'est pas possible, il est révolutionnaire ce produit. Vous avez quelqu'un pour vous le vendre? Non. Du coup, allez, ils se relancent et ils ont fait la vente, ils ont distribué le produit dans le monde entier. Donc, ils ont recréé un MLM et ce MLM, c'est donc Jeunesse Globale. Donc, moi, au niveau des produits, alors c'est pareil, ils s'encadrent d'un comité scientifique pour développer une gamme, donc une haute gamme, et surtout avec des produits naturels, et ça s'appelle le système Yes. Donc, la croissance de Jeunesse est quand même impressionnante, hein. Alors, nous sommes présents dans plus de 140 pays. Alors, je dis nous, parce que c'est vraiment nous. Nous, on est présents en France, mais maintenant, en étant présent en France, je peux être présente en Allemagne, je peux être présente en Chine, je peux être présente en Australie, je peux être présente partout où Jeunesse nous a ouvert les entrées dans le pays. Donc, oui, c'est une société américaine, mais chacun peut se l'approprier. Comme moi, je l'ai fait. Moi, en fin de compte, je travaille avec elle, je ne travaille pas pour elle. Elle fait vraiment partie de mon entreprise. Donc, ce soir, je suis là, moi, pour vous présenter une partie de la gamme des produits Jeunesse. Je vais commencer par la gamme Lumines, qui est vraiment dédiée à la peau. Donc, voilà le produit révolutionnaire par lequel Jeunesse a commencé. Je vous parle du sérum. Alors, pareil, on est toujours sur la technologie des cellules souches. À savoir que le sérum est un des seuls produits à travailler en profondeur. Il a le pouvoir de passer au travers de l'épiderme et arriver jusqu'au derme. Vous avez la crème de jour. Alors, la crème de jour a un avantage. Elle a un indice de 30. Alors, nous, avec mon compagnon, nous sommes des amoureux de la Bretagne. Alors, en Bretagne, on dit toujours qu'il n'y a pas de soleil. C'est quand même drôle parce que quand on rentre de balade, moi, j'ai une peau qui est correcte et mon compagnon est tout cramé. Donc, moi, je dis merci Jeunesse. Après, vous avez
la crème de nuit. Donc, la crème de nuit aussi est super hydratante. Cette crème de nuit, vous pouvez même l'utiliser quand il fait très, très froid. C'est l'avantage qu'elle a, étant donné qu'elle est très puissante. J'allais vous comparer ça à la Lorraine, mais j'ai cherché cet après-midi. Je crois que j'avais 14 ans la dernière fois qu'on a eu un moins 22 en Lorraine. Donc, ça remonte quand même un petit peu. J'ai oublié la chose très importante. Alors, je ne sais pas, mesdames, vous allez me répondre, ou messieurs qui ont l'habitude de s'occuper de leur petite peau, vous allez me répondre, quand vous avez fini de vous nettoyer la peau, est-ce que vous êtes comme moi et que vous sentez qu'à certains endroits, ça tire, qu'à d'autres, ça tire moins ou pas? Ah, je vois des signes. Tout le monde, personne n'écrit, mais tout le monde me fait des signes. C'est bien. Merci pour les signes. C'est génial. Donc, voilà, moi, je suis dans le cas là. Et chez Jeunesse, ce qui est génial, c'est qu'avec les produits que nous utilisons, eh ben, c'est le produit qui s'adapte à votre peau. Et ce n'est pas vous qui devez dire, ben, tiens, je vais mettre celui-là parce que là, j'ai la peau grasse, là, j'ai la peau sèche, je suis déshydratée là. Parce que c'est vraiment trois spécificités qu'on peut avoir sur notre peau. OK? Et nous avons la crème corps. Alors, la crème corps, pareil. Génial, génial. Alors, le génial, vous allez m'entendre dire régulièrement. Génial parce que c'est vraiment une crème qui est hydratante. Et ça, c'est une crème qui reste sur vous. Hein, parce que j'en ai testé des crèmes grasses, des crèmes, tout ce qu'on sait, quoi. Mais alors, la crème grasse, vous êtes obligé de faire le manpower dans votre salle de bain parce que vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez pas mettre vos vêtements. Donc, c'est un petit peu le cirque. D'accord ? Donc, ça, c'est pour la gamme. Alors, vous avez l'éclaircissant, le gel nettoyant, le masque hydratant, le masque nettoyant. En tout, je crois qu'on a 8 produits dans la gamme Jeunesse Lumines. Donc, maintenant, mon chouchou, réserve, le resveratrol. Alors, dans cette petite gourde, il y a 180 verres de vin rouge, mais sans l'alcool. Donc, si vous buvez les 180 verres de vin rouge, je pense qu'au niveau mental, vous êtes au top, mais au niveau de votre organisme, ça va craindre un petit peu. Okay? Alors, c'est pareil, nous on dit toujours que les Français, on a un gros paradoxe parce qu'on aime bien manger et on boit du vin rouge. Et en fin de compte, c'est notre vin rouge qui arrive à pallier à notre nourriture très, très riche. Alors, c'est un super antioxydant. Alors, vous allez me répondre, oui, mais Chris, notre corps fait des antioxydants. Alors, je suis d'accord avec vous, le corps crée des antioxydants et tant mieux pour nous. Sauf qu'il y a 100 ans en arrière, ça suffisait. Aujourd'hui, avec toutes les agressions extérieures qu'on a, eh ben, ça ne suffit plus. Donc, voilà le rôle de réserve. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de ces produits? Parce que ces produits, vous l'avez deviné, c'est les produits que moi, j'utilise. Donc, ça, c'est ma dose journalière. Donc là, maintenant, moi, je vais continuer avec Revita Blue. Alors, Revita Blue, c'est un produit que le docteur Drapeau a fait, toujours avec la technologie pour booster la technologie des cellules souches. C'est pour booster les cellules souches, dont nos défenses immunitaires. Alors, Revita Blue, dans l'ordre, c'est à base d'argosier, d'algues vertes et d'aloe vera. Alors, celui-là, ce n'est pas moi qui le consomme, c'est mon compagnon, puisqu'il est diabétique. Et en plus, on lui a détecté une maladie, une infection courant cet été. Donc maintenant, il consomme celui-ci. Et il n'a pas attendu le Covid-19 pour le consommer. Du coup, ça lui booste ses défenses immunitaires. Donc toujours un petit plus face au Covid-19. Celui-là, AMPM. Alors ça, c'est pareil. C'est une synergie de 75 oligoéléments et vitamines. C'est vraiment pour réguler votre horloge intérieure. OK? Preuve à l'appui. Moi, le mien est prêt. PM pour ce soir. OK? Donc, celui-là, Christian Drapeau. Celui-là, c'est le docteur Vincent Djempapa. Alors, le docteur Vincent Djempapa a été nominé prix Nobel de médecine en 2014. Donc voilà, ça c'est pour AMPM. Après, alors nous avons la gamme ZenPro. Alors moi je vais surtout vous parler des deux produits là, parce que pour ceux qui me connaissent, eh ben, j'aime bien manger, donc ne me parlez pas de régime. Et en plus, avec la gamme ZenPro,
on ne parle jamais de régime, on parle de rééquilibrage alimentaire. Donc, le Prime va vous servir, va aider à nettoyer votre foie et va vous permettre d'évacuer toute la rétention d'eau que vous avez en trop. Ceci, ZenPro, ZenFuse, c'est des protéines au chocolat que vous devez diluer, donc c'est des encas. En aucun cas, ça remplace un repas. Moi qui suis gourmande, vous imaginez, on a le droit de manger toutes les 3 heures avec la gamme là. C'est le rêve. Moi qui suis toujours en train de grignoter, bon, moi j'ai une excuse maintenant pour grignoter. Donc ça, c'est pour la gamme ZenPro. Dans la gamme ZenPro, vous avez encore 2 autres produits. ZenFit qui se trouve là. Et vous avez ZenShape qui est en aide au niveau de l'amincissement pour travailler sur les graisses. Donc maintenant, je vais demander, est-ce qu'il y a des sportifs parmi vous ? Oui, toujours. Ah ben j'aime bien parce que toujours Agnès. Alors, il n'y a qu'Agnès qui fait du sport ? Ah non, je vois Christelle, Isabelle, Martine. C'est bien. Xavier, je ne vous vois pas. Si, quand même un petit peu. Ah, Patricia. Ah, parce que nous avons quand même 2 hommes, 3 hommes ce soir. Non, 2 hommes, 3. Je n'ai pas vu Gilles. Excuse-moi, Gilles. Donc, vous avez ZenFit. Alors, le ZenFit, moi, je l'ai découvert en faisant de la course à pied et de la natation, puisque je fais beaucoup de sport. J'ai arrêté la course à pied. Je fais de la natation et c'est surtout pour les tendinites. En fin de compte, dans ce petit tube, hein, comme pour AMPM, tout est en tube. Comme le Revitablou, tout est en tube. Et du coup, on a nos petites gourdes et on dilue. Vous l'utilisez alors au niveau du sport, soit avant, soit pendant, soit après. Moi, j'utilise pendant, parce que ça me permet de m'hydrater au cours de mon effort physique, que ça soit dehors ou dans l'eau, puisque même si on est dans l'eau, il y a quand même une déshydratation qui se fait. Et ça, vous pouvez le prendre donc quand vous le souhaitez. Et si vraiment vous faites, moi quand je faisais un gros effort, je prenais ça pendant et je prenais le réserve après avoir fait mes étirements pour ôter tout ce qui est acide lactique. Ça, c'est vraiment le top. Donc, plus de douleur le lendemain. Parce que moi, je suis une sportive, mais je suis une sportive qui n'aime pas souffrir. Donc, j'ai fait des marathons. J'ai fait un marathon. Ça y est, j'exagère tout de suite. J'ai fait un marathon. Donc, voilà. C'est quand même terrible parce que même le réserve après le marathon, non, on a quand même mal aux jambes. Il ne faut pas rêver. Hein. Donc, moi, pour mon rôle, j'ai fait le tour des produits. Donc, que j'utilise moi. Vous en avez d'autres. Ils sont visibles sur le site. Si vous le souhaitez, nous pouvons même vous donner le lien vers la télé du Dr Hamzalag. Et du coup, je vais demander à Christelle de vous mettre le comité scientifique qui, je vous invite, de faire une capture d'écran. Et comme ça, vous irez voir vraiment les médecins, ce qu'ils ont fait, où ils en sont dans leurs recherches. Eh bien, moi, je vous remercie. Alors, vous vous en doutez bien que n'ayant pas le son, je ne vais pas pouvoir suivre la suite. je ne vais pas réussir à lire sur les lèvres. Donc, je compte sur Christelle pour me faire suivre l'enregistrement de ce soir. Je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je reste là quand même pour vous guetter. Et à bientôt. Alors moi, je vais reprendre la suite. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir fait le tour des produits, en tout cas des produits que toi, tu utilises. Et je vais continuer donc pour expliquer un petit peu comment on peut gagner de l'argent avec cette opportunité d'affaires. Donc, si c'est OK pour vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Christelle aussi. On est beaucoup de Christelle dans l'équipe, en tout cas. J'habite en Allemagne depuis plus de 15-16 ans. J'ai un mari allemand, 3 enfants franco-allemands et j'ai été ingénieure commerciale. C'est pour ça que je suis arrivée en Allemagne. Et puis, finalement, vers l'âge de 34-35 ans, je me suis rendu compte que j'avais peut-être une belle vie au point de vue, paraître. C'était plutôt sympa, mais il me manquait quelque chose, ce n'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, du coup, j'ai complètement transformé.
Et je suis devenue coach. C'est mon premier amour, en fait, est vraiment le développement personnel. Donc, je suis devenue coach. Et à partir de là, j'aide les gens à transformer eux-mêmes aussi leur vie. Et ma première motivation, c'était déjà, je ne voulais plus être dans des périodes de dépression comme j'étais régulièrement avant. Mais aussi, j'avais envie de faire comprendre à mes enfants qu'il y avait autre chose que ça, que la vie pouvait être belle et grande, en fait. Donc c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Je suis en train de regarder parce que c'est Christelle qui est en plein écran chez moi. Alors, je ne sais pas si c'est Christelle qui est en plein écran chez nous. Voilà. Et donc, à partir de là, en fait, ça s'est passé en 2016. En 2017, en fait, j'ai découvert Jeunesse. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Jeunesse, en fait, il y a trois choses que j'ai beaucoup aimées. La première chose que j'ai beaucoup aimée dans Jeunesse, c'est le panel des scientifiques que Christelle vient de vous montrer. Je n'ai rencontré dans aucune autre société un panel de scientifiques aussi éminent, aussi compétent. Et en fait, Jeunesse en remet régulièrement des nouveaux scientifiques. Alors moi, je les ai tous googlés, hein, donc je vous invite vraiment à les googler. Je les ai tous googlés et j'ai même fait une formation de naturopathie pendant quelques mois pour vraiment bien essayer de comprendre de quoi on nous parlait. Je trouve les produits extraordinaires et je trouve le panel de scientifiques extraordinaire. Donc ça, c'était une de mes premières raisons. Ma deuxième raison, c'est vraiment la mentalité jeunesse aussi. La mentalité jeunesse parce que, comme l'a dit Christelle, Wendy et Randy, ils ont créé Jeunesse Pas pour se faire encore plus d'argent, mais vraiment pour aider les personnes à être plus longtemps jeunes, en bonne santé, plein de ressources et puis aussi à leur permettre de redistribuer les cartes de leur vie. S'ils n'avaient pas fait d'études, s'ils n'avaient pas réussi dans leur carrière, et bien finalement d'avoir quelque chose clé en main qui leur permettait de repouvoir rêver leur vie et de pouvoir la redesigner comme ils le voulaient. Et donc, vu que c'est ce que moi je fais en coaching, ça me paraissait complètement parallèle et très bien. Et la troisième chose, c'est le plan de rémunération. Parce qu'on a beau être dans un monde de bisounours, quand même, il faut qu'à la fin on mange et le but c'est d'avoir du succès. Et ça passe aussi par l'argent. Et le plan de rémunération est bon. Alors, je vais vous l'expliquer un petit peu. Le plan de rémunération, on ne va pas aller dans les détails parce que sinon, ça nous prend trop de temps. Il n'est pas toujours super simple à comprendre parce qu'il y a 6 façons de gagner de l'argent au sein de Jeunesse. Donc, la première façon, c'est quelque chose qu'on comprend assez facilement. Ça tourne autour des produits. Donc, moi, les produits de santé m'intéressent beaucoup. C'était beaucoup plus la gamme de santé qui m'intéressait que la gamme cosmétique. On a un site internet. En fait, dès qu'on rentre comme distributeur dans Jeunesse, on a un site internet tout de suite, à la minute où on rentre. Et ce site internet, il peut être développé ou il peut être envoyé dans plus de 140 pays et dans plus de 40 langues différentes. Ça se fait automatiquement. Donc, à partir du moment où vous signez, vous avez un magasin en ligne tout de suite. C'est instantané. Et donc, vous pouvez envoyer votre lien dans le monde entier. Et puis, les commandes peuvent se faire dans plus de ces 140 pays. La livraison se fait directement, ça ne passe pas par vous, ça ne passe pas par votre garage, ça passe directement par l'organisation Jeunesse. À partir du moment où les clients commandent, et ben, du coup, vous récupérez, on va dire, à peu près 30% de marge sur le prix du client. 30% de marge, c'est quelque chose plutôt standard dans toutes les entreprises d'accessoires et de consommables. Ça, c'est la première façon de gagner de l'argent chez Jeunesse. La deuxième façon de gagner de l'argent chez Jeunesse, c'est quand on a des nouveaux associés qui rentrent avec nous, qui décident de s'associer avec nous, et bien, ils achètent un pack de produits. Et puis, ben là, on peut gagner par associé, entre, on va dire, 35 et 250 $ ou euros par associé qui rentre. Donc, ça, c'est la deuxième façon de gagner de l'argent. La troisième façon de gagner de l'argent, et moi, c'est à partir de là que je trouve que ça devient très intéressant, c'est quand on commence à se dire qu'on a vraiment envie de créer une équipe. On a vraiment envie d'accompagner les gens dans leur succès, à créer une nouvelle branche financière dans leur vie, voire à ce que Jeunesse devienne leur premier revenu. Alors, à partir de là, dans Jeunesse, ça fonctionne comme ça, c'est en binaire. Donc, on crée son équipe, on est ici, on a deux pattes, on va dire, qui descendent. À partir du moment où il y a 600 points qui sont faits d'un côté et 300 points qui sont faits de l'autre, il y a $35 qui se débloquent.
600 points. Pourquoi on parle en points? Parce que c'est un business international. On a des monnaies qui viennent du monde entier, donc le dollar, l'euro, le franc et ainsi de suite. Et donc, du coup, bah voilà, on parle en points et un point est le même un peu partout dans le monde. Donc, vous pourrez très bien me dire, ben, c'est pas beaucoup 35 dollars. C'est vrai que c'est pas beaucoup 35 dollars. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, dans mon activité de coaching, 100% de l'argent provient de 100% de mes efforts à moi. Par contre, ici, c'est différent. On va utiliser un levier, on va utiliser l'équipe. Donc, si on a une équipe, par exemple, de 100 personnes, on va gagner peut-être 1% parmi les efforts de ces 100 personnes. Sauf qu'on peut aller plus loin, on peut aller 200, 300, 400, 500 et en fait, on peut ne jamais s'arrêter. Le nombre de personnes, notre équipe, elle peut être infinie. Et donc, à partir de là, en fait, ben, il peut y avoir énormément de cycles de 35 dollars qui se font. C'est quasiment illimité. Et puis, il y a tout le reste encore. Donc là, je vous ai expliqué 3 façons de gagner de l'argent dans jeunesse. Il y en a 6 en tout. OK? Et là, je suis sûre qu'il y a 2 questions que vous vous posez. Une question, là, vous êtes en train de dire, mais c'est possible que du coup, ça soit pyramidal, son truc. Alors, je ne sais pas si vous vous posez cette question-là, mais vous pouvez le faire aussi dans le chat, si c'est comme ça, ou sur la vidéo. Voilà. Donc, en fait, non, ce n'est pas pyramidal, parce que quelqu'un qui arrive, par exemple, aujourd'hui, et qui décide d'y mettre de l'énergie, d'y consacrer du temps, cette personne-là va pouvoir gagner plus d'argent que moi qui suis, par exemple, depuis 2-3 ans. C'est vraiment à la méritocratie, ce n'est absolument pas à l'ancienneté. Comme d'ailleurs, on peut le voir dans certaines sociétés, là, c'est vraiment la méritocratie. Donc, ça veut dire que vous pouvez décider aujourd'hui, vous pouvez avoir un salaire plus élevé que moi dans 6 mois, par exemple, si vous bougez plus que moi. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que peut-être vous vous dites, c'est « Ouais, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis pas un vendeur. Moi, je suis pas un commercial. J'ai pas la formation qui va bien. Je suis plutôt quelqu'un introverti. C'est pas forcément pour moi. J'ai pas forcément le bon caractère pour ça. C'est bien pour les autres, mais pas pour moi. Dans ces cas-là, je le comprends aussi, mais ce qui se passe en fait dans ce type de business, c'est qu'on ne sait jamais trop qui est fait pour et qui n'est pas vraiment fait pour. Et je vous propose en fait d'avoir le témoignage d'une personne qui a rejoint notre équipe il y a 6 mois, quasiment jour pour jour d'ailleurs. Je ne sais plus trop exactement, mais c'est à peu près ça, je crois. Et donc, je vous propose d'accueillir Patricia qui est là. Et Patricia, ben, tu peux répondre à quelques questions. Donc, d'où tu viens, qui tu es, si tu es mariée, non, je plaisante. Si tu connaissais ce type de business avant, par exemple, si tu as une base commerciale, si tu as été formée là-dessus, si ce business-là a changé ta vie ou pas, si tu t'attendais à être bonne ou pas, et pourquoi ? Pourquoi tu nous as rejoint, Patricia ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, je vous ai rejoint parce que tu as su me convaincre. C'est ça. Déjà, je me présente, je suis assistante de direction dans l'administration, donc à un milieu de jeunesse et de système de distribution. J'habite à Paris. Et donc, merci Christelle de m'avoir sollicité à un moment, de m'avoir présenté jeunesse. C'est vrai que, bon, sur le moment, on doute un peu. Donc là, j'en parle tout de suite. Comme ça, on éradique ce moment négatif. C'est le seul, c'est le seul qu'il y aura. Donc, comme beaucoup d'entre nous, je pense, bon, je doutais. Je pensais que je n'étais pas capable de réussir dans ce domaine-là. C'est vrai que je ne connaissais absolument rien au marketing de réseau. Je ne pensais pas être capable de réussir. Enfin, bon, c'était réellement un monde inconnu pour moi. Donc, eh bien, je vous rassure, pas du tout. C'est une bonne nouvelle. Je vais dire que j'ai cartonné. Donc ça, j'ai éradiqué une vieille croyance, croyance dépassée, car oui, j'ai réussi en fait en 6 mois à gravir quelques échelons. Donc voici mon parcours depuis fin octobre. Effectivement, j'ai signé le 25 octobre. Donc, en premier lieu, j'ai signé parce que j'ai été séduite par les produits. J'avais testé le réserve
J'ai eu l'occasion de le goûter, je l'ai trouvé très très bon. Après, je me suis penchée sur la composition et sur les effets que ça avait. Donc, j'ai été plus que séduite. J'ai eu des témoignages à ce moment-là sur d'autres produits de la gamme. Et tout ça, ça m'a fait signer. Et en plus, j'ai vu l'opportunité d'affaires. Et comme j'avais le souhait d'éventuellement plus tard changer de parcours professionnel, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je n'ai pas écouté mon saboteur, donc j'ai foncé. Donc voilà comment je suis rentrée. Donc c'était il y a 6 mois, j'ai pris un petit pack. Et quelques semaines plus tard, j'ai pris le pack fondateur donc pour être actionnaire de la société, avoir une rémunération supplémentaire. Et donc au jour d'aujourd'hui, j'ai récupéré plus que ma mise. En 4 mois même, parce que fin février, j'avais reçu plus que mon investissement de départ. Donc, les moyens par les parrainages, par les ventes et aussi grâce aux challenges. Parce que Jeunesse met en place des challenges plusieurs fois par an. Donc, c'est comme ça qu'au bout de 15 jours, j'ai eu 2 partenaires. Donc, j'ai eu mon premier challenge. J'ai gagné mon premier challenge. Et puis, 3 mois plus tard, j'avais 8 partenaires. Donc, j'avais un nouveau challenge. Mais il y en avait encore un plus important qui m'intéressait puisqu'en fait, à la clé, il y avait quand même une prime de 800 $. Et pour moi, c'était vraiment le moment d'avoir 800 $. Donc, je me suis dit, hop, focus, le nouveau challenge. Donc, tu y vas, tu fonces. Il te faut absolument réussir à avoir 4 partenaires de plus. Et la chance étant là, le hasard étant là, j'étais en vacances. Donc, depuis le bord de mer, ce n'est pas la photo que vous voyez là, c'est Berck. Moi, j'étais sur la côte vendéenne. Donc, j'étais bien sur la plage. J'appelais des contacts et en fait, j'ai réussi à ce moment-là à trouver mes 4 partenaires. Et donc, bingo, le challenge réussi. Donc, les 800 $. Et donc, j'ai réussi à accéder à un nouveau rang. Donc, c'est l'avantage effectivement de Jeunesse comme de marketing de réseau, c'est de pouvoir travailler de l'endroit où on se trouve et pendant le temps que l'on veut. On n'est pas obligé d'y consacrer tous les jours le même temps, aux mêmes horaires. On fait vraiment ce qu'on veut et c'est ce qui m'a plu. En fait, c'est la liberté que j'ai ici, que je n'ai pas du tout dans mon travail, parce que mon travail, c'est à la seconde près presque. Donc, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, voilà comment j'ai récupéré donc beaucoup plus que ma mise. Et ça continue, donc j'attends le prochain challenge, j'espère que ce sera bientôt. Non, c'est vraiment merveilleux d'avoir réussi ça, j'en suis très très heureuse. Et quelles sont tes motivations ou tes ambitions futures? Alors, mes ambitions futures, c'est d'arriver au stade, au rang saphir, de façon à pouvoir avoir un revenu encore plus conséquent, de façon à pouvoir changer mon parcours professionnel. Parce que j'ai envie d'ouvrir un cabinet en plus de mon travail et à moins longue échéance, carrément arrêter mon travail pour me lancer dans ça. Donc, je pense que Jeunesse sera là en très, très bon support. Et en plus, quand j'ai vu les produits, c'est vrai que depuis que je les utilise, j'ai des très bons résultats. D'ailleurs, il y a des personnes qui me le disent, notamment en cosmétique. Et j'ai un bien-être évident. Et c'est vrai que quand je vois le comité scientifique, quand j'ai vu ça, c'est vrai que parce que c'est pareil, je suis très attentive à tout ce qui est santé et compléments alimentaires. Et quand j'ai vu ce comité scientifique, waouh, c'est juste assez extraordinaire. Donc, voilà. Et le but, c'est ça. Ok. Et comme je dis, en plus, quand on rentre dans Jeunesse, surtout dans notre équipe, j'ai intégré une équipe qui est fun, dynamique, enfin très très motivée, très motivante, ce qui m'a beaucoup motivée d'ailleurs. Et on a des sessions de développement personnel, on avance beaucoup dans Jeunesse et on avance aussi beaucoup dans notre vie perso. Et ça a pas de prix, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et c'est vrai que quand je vois en 6 mois comment ça m'a transformée quelque part, je dis, c'est juste génial. C'est juste incroyable. Et donc, j'ai qu'une chose à vous dire. Motivez-vous, foncez, venez avec nous. Plus on est de fous, plus on avance. C'est clair. C'est vraiment
Et c'est une équipe, c'est vrai, où il y a tellement d'entraide. Dès qu'on a une question, bon, il y a toujours quelqu'un qui peut nous répondre. Bon, j'ai trouvé vraiment un réseau amical extraordinaire. Donc, je dis, venez avec nous, venez nous rejoindre. Ben merci, merci beaucoup, Patricia. C'est vrai que c'est vrai que souvent on a l'impression de retrouver une deuxième famille quand on est dans une équipe qui nous convient, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais quand on arrive à trouver l'équipe qui nous convient, on a l'impression de retrouver une deuxième famille qui est très très bienveillante et qui nous aide à avancer. Comme tu le dis, Patricia, c'est vrai qu'en tout cas la nôtre, elle est comme ça. On n'est pas avancé seulement sur le plan purement business, mais à tous les niveaux, puisque voilà, une vie bien remplie et une vie bien faite, ben, c'est une vie qui est bonne sur différents plans de vie et pas seulement le business. Donc, d'une façon concrète, en fait, comment ça part ? Comment commencer chez Jeunesse ? Mais ce qui se passe, en fait, c'est que déjà, c'est le bon moment là pour commencer. Hein. On est tous cantonnés chez soi. Même les gouvernements le disent qu'il faut qu'on commence à travailler chez nous. Et si on peut trouver des possibilités pour travailler chez nous, c'est le principal. On ne sait pas combien de temps va durer cette crise encore. Moi, je suis beaucoup en contact avec différentes écoles. Et on va reprendre. Donc, moi, je suis en Allemagne. C'est différent que la plupart d'entre vous en France. Mais ils ne savent pas, même en Allemagne, ils ne savent pas encore s'ils vont reprendre correctement. Et ils se demandent même si jusqu'à la fin de l'année 2020, le système ne va pas être complètement chamboulé avec des périodes d'école, des périodes de non-école. Et donc, je me dis, si les écoles fonctionnent comme ça, et bien éventuellement, tous les autres business vont fonctionner comme ça aussi. Donc, on ne parle même pas de septembre 2020, mais on parle de décembre 2020. Donc, ça m'a assez étonnée. Je ne pensais quand même pas que ça allait durer aussi longtemps, mais c'est une possibilité. On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce business-là est vraiment un business intéressant. Il y a une vidéo qui vient d'être faite, mais il y en a une qui est plus ancienne et qui est sous-titrée en français. On a une vidéo où tous les grands pontes de l'entrepreneuriat explique à quel point ce type de société est intéressant, à quel point c'est plus facile de commencer dans ce type de société que de monter soi-même sa propre entreprise. Donc, si vous êtes intéressé, on peut vous la faire parvenir. Elle dure à peu près une heure. Mais voilà, il y a des gens comme Tony Robbins qui parle, il y a des gens comme Kiyosaki qui parle, il y a des gens comme Virgin qui parle. Enfin bref, tous les grands pontes que l'on peut entendre des fois conseillent aussi de faire son expérience de ce type de société. Donc, vous pouvez, je vois Christelle en double, et donc vous pouvez venir nous joindre. Alors, la première chose pour venir nous rejoindre, c'est tout simple, c'est vous décider. Vous décidez juste de venir nous rejoindre, d'accord ? Alors, c'est certainement l'une des décisions qui sera la plus dure à prendre. Mais voilà, si vous vous dites… C'est vrai, finalement, il n'y a pas grand-chose à perdre. Finalement, je pourrais peut-être commencer quelque chose de fou, quelque chose de nouveau. Si je ne change pas un truc dans ma vie, eh ben, elle va continuer comme elle était jusqu'à maintenant. Ça peut être, en effet, la possibilité aujourd'hui de faire un truc différent. Et donc, dans ces cas-là, vous revenez vers la personne qui vous a invité, vous dites « Ok, j'ai pas tout compris, il va falloir que tu répondes à toutes mes questions. » Mais en attendant, je suis OK pour commencer. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est l'une des choses les plus difficiles. J'ai discuté avec Dane and Fire qui disait « Je ne comprends pas pourquoi ça, ce pas-là, il est difficile. » Mais moi, je comprends parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, eh ben, ça fait flipper, quoi. Et comme le dit Patricia, ça se passe bien. Ça se passe bien et on vous explique tout et on vous tient la main pas à pas. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, le cœur du système, c'est quand même les produits. Donc, c'est de prendre un pack de démarrage pour connaître les produits. Donc, dans ces cas-là, en fait, je vous dirais qu'il y a deux solutions. Soit vous vous dites, moi, j'ai aussi envie, comme Patricia, par exemple, ou comme moi, ou comme Christelle, de vraiment faire un business, de vraiment aider les gens, de vraiment monter mon équipe. Dans ces cas-là, je vous propose de prendre le pack ambassadeur. Et en plus, ce mois-ci, c'est vraiment un mois particulier parce que quand vous prenez le pack ambassadeur, et ben en fait, vous devenez fondateur. Donc, ça veut dire que vous faites partie d'une poule de deux
qui rejoint 2% du chiffre d'affaires et qui est divisé. Donc, c'est exceptionnel. Ils ne le font jamais. C'est ce mois-ci. Donc, si vous vous dites, OK, ça, c'est pour moi, alors je vous dis, prenez ce pack-là, il coûte à peu près 1 000 euros. Si vous vous dites, je ne sais pas trop, je ne suis même pas sûre de vouloir développer quoi que ce soit, par contre, les produits ils ont l'air intéressants, alors venez prendre un petit pack de produits. Vous pouvez faire exactement les mêmes choses à la fin, mais en tout cas, ça vous permet de commencer à tester les produits, de voir s'ils vous plaisent, et puis rester juste client, mais avec moins 35%. On ne viendra pas vous demander des comptes. Si vous restez client sans vouloir rien développer, c'est OK pour nous. On n'est pas vos boss, hein. On est juste des gens là pour conseiller. Et jeunesse ne vient pas demander de compte de toute façon. Donc, vous pouvez très bien venir vous joindre à nous en tant qu'associé et rester tout simplement un client. Ça marche très bien aussi. Et ça, c'est la deuxième étape. Pour ceux qui veulent développer, pour ceux qui ne veulent pas développer, ça s'arrête là. Pour ceux qui veulent développer, la troisième étape, c'est mettre un auto-ship en place. Ça veut dire mettre une commande par mois en place. C'est un peu vos charges, en fait. Pour chaque business, il y a des charges. Ben là, voilà, c'est un produit par mois. C'est à peu près 80 euros, 90 euros par mois. Et vous récupérez votre produit. Et de toute façon, normalement, si vous avez envie de développer, vous aimez bien les produits. Et donc, vous serez content de l'avoir, ce produit-là, pour vous ou pour le revendre. Donc, ça, c'est la troisième étape, c'est mettre votre auto-ship en place. Ça, ce sont toutes ces trois étapes-là sont des étapes qui ne demandent aucune connaissance, qui peuvent se faire ce soir avant d'aller vous coucher. Vous pouvez avoir déjà votre business en ligne, votre site internet et déjà l'envoyer à toutes les personnes. Vous dites, ah, je viens de commencer un truc, je suis entrepreneur, j'ai mon site internet. C'est parti. Après, si vous voulez continuer à être sérieux et à vraiment prendre les choses la quatrième étape est importante. La quatrième étape, c'est vraiment mettre son business en route. Alors, le business, je vous dis, là, il coûte à peu près maximum 1 000 euros. Donc, c'est rien. Je sais qu'il y a quelques entrepreneurs qui sont là sur le call. Je sais que, en général, quand on commence un nouveau business, quel que soit le business, enfin, moi, c'est que du consulting, entre guillemets. J'ai au moins investi 35 000 $ dans mon coaching. Et je ne parle même pas du marketing, parce que je le fais toute seule. Et si je devais encore le redonner, c'est encore 5 000 $ en plus. Donc, un business n'importe lequel coûte au moins, on va dire, au moins 25 000 $ ou euros. Là, on vous le propose à 1 000 euros, voire moins. Le truc est que ce n'est pas parce que ça coûte moins qu'il n'a pas moins de valeur. Et donc, à partir du moment où vous arrivez à la quatrième étape, il faut mettre sa casquette d'entrepreneur et il faut y aller. Il faut faire vivre son business. Et ça sera certainement la deuxième étape la plus difficile. Parce que c'est tout nouveau, on ne sait pas trop comment faire. Et il y a l'équipe qui aide, mais bon, c'est un peu stressant. Mettre son business en place, en fait, faire avancer son business, c'est devenir exécutif. Ça veut dire c'est commencer à créer son équipe. C'est commencer à avoir deux associés. D'accord ? Ça, c'est la quatrième étape. Une fois que vous avez réussi à faire cette quatrième étape-là, la cinquième étape, c'est aider le plus possible vos deux associés à faire exactement comme vous, avoir le plus de succès possible. Ça, c'est la cinquième étape, qui en général, moi, je trouve plutôt sympa. À nouveau, parce que voilà, c'est mon truc. Mais et une fois que vous avez fait ça, ben voilà, vous avez tout compris en fait. Vous avez fait toutes les étapes. Après, il suffit juste de recommencer la quatrième et la cinquième étape. Mais finalement, vous avez déjà tout fait. Donc voilà comment ça fonctionne. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on cherche des gens qui ont la même vision que nous. On cherche des gens qui ont envie de transformer leur vie, qui ont envie d'avoir un complément de revenus, qui ont envie de rêver différemment, qui ont envie éventuellement de changer complètement de trajectoire de travail, quand votre salaire sera suffisamment grand de geste, de pouvoir laisser tomber un autre type de travail. Ça, c'est ce que nous, on cherche. Donc, on ne cherche pas à vous convaincre, on cherche juste à trouver des gens qui ont la même vision que nous. Voilà, c'était tout ce qu'on avait envie de dire. Si vous pensez que vous êtes comme nous, franchement, revenez vers nous, posez-nous des questions. Si vous pensez que vous aussi, vous pourriez faire partie de cette histoire-là, revenez vers nous. Nous, on sera vraiment super contents de vous accueillir dans l'équipe, de vous porter avec nous et puis d'entendre votre histoire, pourquoi vous avez fait le pas et pourquoi vous avez envie de changer de vie.
Donc, c'est fini pour l'information ce soir. Par contre, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le